joue contre Bayern Munich. Ça, c'est une équipe des plus grandes du monde. Mais dans ce stade, j'ai déjà joué avec Nürnberg, avant 68 spectateurs. Je connais bien le stade, l'infrastructure qui est aussi top. Mais sportivement, c'est l'adversaire qui est le plus grand que je joue demain. Demain, on est en tout cas pas le favori, ça c'est clair. Mais oui, c'est un plaisir de jouer contre une équipe comme ça, mais c'est quand même aussi difficile, hein, c'est clair. Je ne vais pas dire qu'on jouait mieux en Europa League qu'en championnat la saison passée. On a aussi gagné ce championnat la saison passée qui nous permet d'être là aujourd'hui. Après, c'est sûr qu'on est tombé dans un groupe assez difficile pour pouvoir exister. Aujourd'hui, il va falloir se surpasser. Donc voilà, ça reste notre objectif de préparer notre match de la meilleure des manières qu'on puisse le faire avec le coach, comme il a l'habitude de le faire. Et surtout, le plus important, prendre du plaisir et ne pas avoir de regrets à la fin du match. Si nous n'aimerions pas avoir un match comme ça, il ne faut pas gagner le titre. On a gagné le titre pour avoir des matchs comme ça. Et tout le monde est très content d'avoir un adversaire vis-à-vis de nous demain contre Bayern Munich. On se sent excité. Voilà, on sait qu'on n'a pas l'occasion de jouer des matchs comme ça tous les week-ends ou tous les ans. Donc c'est un énorme plaisir pour nous. C'est aussi un rêve de pouvoir jouer la Champions League et de pouvoir jouer contre des grosses équipes comme ça. Donc on est forcément excité à la veille du match.